cite Espoir métabolique de Patrick Louis est en train de brûler. Il m'appelle paniqué. Il m'appelle paniqué, pardon, parce que certains n'ont pas compris. Ça veut donc dire que j'ai mal expliqué. Alors, je vais vous expliquer. D'abord, je vais vous montrer ce qui se passe. Alors, il reçoit des... Voilà. Guy Tenenbaum va déposer plainte contre la Fondation Guérir du Cancer. La question, est-ce que cette association Espoir métabolique est reliée à cette fondation? Ben oui, ouf, ça me rassure. Surtout, je vous mets un... Bon, voilà. Alors, écoutez, c'est pas compliqué. J'ai fait une petite réponse, mais en plus de cette réponse, je suis en train de vous faire cette vidéo. Alors, j'écris « Bonjour les amis, je viens de recevoir un coup de fil de Patrick Louis, qui est notre partenaire, en plus d'être mon ami. Je veux être très clair, il n'y a pas de lézard entre Laurent Schwartz, Patrick Louis et votre samouraï. » Moi-même. Pas non plus entre l'association Espoir métabolique et Survivre au cancer, qui sont là pour aider sans aucun but lucratif. Soyons très clairs, une fondation Guérir du cancer a vu le jour. Laurent ne la contrôle pas. Laurent m'a proposé, ainsi qu'à Patrick, de vendre un tableau précieux afin de me rembourser. J'ai répondu que je n'accepte pas que ma perte devienne la sienne, que je vais réclamer judiciairement le remboursement de mes 20 000 euros. Tiens, j'ai marqué 200 000. S'il se trompe et qu'il me verse ça, ce serait bien. Je plaisante, bien sûr. Que c'était, j'ai marqué qui au lieu de que c'était très clair, devait être, non c'est ça, devait être consacré à Scott, quantité d'échanges, d'emails le prouve, aussi bien avec Maurice que Laurent, enfin d'état. Dès l'année dernière, je posais la question à notre ami Laurent, ça veut dire quoi une fondation pour les malades sans représentation des malades? Par contre, avec représentants de Big Pharma, Sanofi, l'agroalimentaire, Bongrain, et financé par eux. Laurent a exigé que je fasse partie du comité. Il s'est heurté à un refus. J'ai été très déçu et il m'a dit « Écoute, écris-lui ». Et donc j'ai fait une vidéo que je n'avais jamais postée, que je lui ai envoyée qu'à lui. Mais maintenant, je vais la poster et vous pourrez voir ce que je lui ai dit l'année dernière. Voilà, j'avais fait une vidéo pour réclamer ma place en tant que représentant des malades. Tiens, sans S, bravo. Et après, deuxième petit poste. Nous savons tous que Laurent a un devoir de réserve. Dans le cas présent, Laurent, je te demande de sortir de ta réserve. Tu n'as pas le droit de laisser les malades continuer à prendre des doses trop hautes d'acide lipoïque. Tu connais Maurice depuis beaucoup plus longtemps que moi. Ce n'est pas à moi, mais à toi de prévenir les malades. Tu m'as très souvent dit que les malades meurent sans explication en 5 jours après avoir été en bonne forme. Tu connais la raison. Ne laisse pas les malades se tuer. Les Anglais l'ont compris et ont simplement supprimé l'acide lipoïque. Je vais de ce pas sur cancer thérapie pour m'expliquer, puisque nombre d'entre vous n'ont pas compris mon message que je vais éclairer. Désolé Patrick du trouble que j'ai mis involontairement sur ta page. Amitié à tous et rendez-vous sur YouTube cancer thérapie. Et me revoilà. Voilà, alors les amis, eh ben, je vais être extrêmement clair. Je vais être extrêmement clair. Laurent, dans un souci de notoriété, comme le dit, comme l'a écrit à de nombreuses reprises François, qui est le responsable de cette fondation, ils veulent de la notoriété. Ils veulent faire
La seule chose qui n'a même pas d'ailleurs commencé, 6 mois après, vous vous rendez compte, c'est une étude observationnelle. Et ça s'arrête là. Scott, on a oublié, j'ai réclamé par email à toute la bande le 12 mars, après l'avoir réclamé des dizaines de fois. Hein. Pourquoi je trouve que c'est une erreur d'abandonner Scott? Je n'ai eu aucune réponse. Simplement, on m'a dit, on est en train de faire l'étude observationnelle. Mais l'étude observationnelle va guérir quelqu'un, va sauver quelqu'un. Tout l'argent que nous avons donné, que Patrick a demandé à ses abonnés de donner, que j'ai demandé à Patrick, que j'ai demandé à mes abonnés de me donner, que j'ai donné personnellement, c'était la mise au point de traitements métaboliques accessibles à tous. 6 mois après, même pas un début de recherche. Alors bien sûr, maintenant qu'on va aller au tribunal, il va y en avoir plein, hein, des débuts de recherche. Mais j'ai les mails, et je pourrais prouver qu'il n'y a pas eu la moindre tentative de faire quoi que ce soit. Alors, Laurent, je sais bien que j'en suis convaincu que tu as été débordé, que tu t'es retrouvé avec cette fondation. Et qui ne sert à rien, c'est toi qui me l'as dit, c'est toi qui l'as dit à Patrick, avec de l'argent bloqué dessus, qui ne sert à rien, et tu ne peux rien faire. Tu es un parmi tant d'autres là-dedans. Donc, lève-toi. Pourquoi est-ce que c'est moi, le samouraï, qui dois faire ton boulot? Alors, je te dis deux choses. Je te dis deux choses et je le dis à nos malades en même temps. Nos malades prennent trop d'acide lipoïque. J'ai demandé à Patrick, puisque moi je vais bien, je vais très bien, d'étudier mon traitement à l'américaine. C'est-à-dire, eh ben, il s'est rendu compte en calculant que je prends en prenant mes 3 pilules d'acide lipoïque, que ça représente 4 fois moins d'acide lipoïque que les malades français prennent. Et je vais bien. Et je vais bien. Il y a quand même un truc. Les Anglais vont bien. Et ils ne prennent pas d'acide lipoïque. Maurice Israël, tu le sais, le dit, il y a trop d'acide lipoïque. Il faut réduire. Mais qui va le dire? Qui va le dire? Alors maintenant, en ce qui concerne le bleu de méthylène, je parle bien sûr pour moi, comme je le fais toujours. Je parle pour moi. Alors le bleu de méthylène, Maurice m'a mis en garde sur les terminaisons nerveuses parce qu'elles deviennent toutes bleues et ça peut les endommager. Alors moi, je tremble et il me dit ça peut entraîner Parkinson. J'ai pas envie de Parkinson, donc jusqu'à mon scanner, 25 mai, j'ai décidé d'arrêter purement et simplement le bleu. Ça m'a pas empêché de vous expliquer puisque je vous demande pas de l'arrêter vous. Ce n'est pas mon rôle. Si ça doit être le rôle de quelqu'un, ce serait le rôle d'un médecin. Ce serait le rôle de Laurent de vous dire s'il a des doutes sur le cumul entre acide lipoïque et bleu de méthylène. S'il a des doutes, il doit vous le dire. Moi, dans l'instant, je ne sais pas, donc j'essaye. Maintenant, pour être extrêmement clair, il n'y a pas plus d'explications scientifiques qui dit que ça puisse aider, que qui puisse dire que ça n'aide pas. Donc, je prends mes responsabilités, je n'en prends plus, mais je ne demande à personne de
d'en prendre ou ne pas en prendre. Ça, c'est de la responsabilité de Laurent qui nous a dit, qui nous a donné des doses de bleu de méthylène, d'acide lipoïque, de Garcinia cambogia. Alors, s'il y a une rectification à faire, Laurent, je te le demande instamment pour moi, pour Patrick, pour tous les malades, rectifie, rectifie. Et autre chose, tu sais que je lance, je commence néanmoins, néanmoins, je commence l'étude sur les souris comme nous l'avions promis, nous, toi et moi, à Maurice. Et si maintenant tu ne veux pas taper sur avec ton poing sur la table de la Fondation Guérir du cancer qui agit en ton nom, qui a pris le nom de ton site, si tu n'as pas le courage de les affronter, eh ben, je le ferai à travers un tribunal. Tu es le seul à pouvoir régler le problème à l'amiable. Si tu tapes du poing sur la table, si tu leur dis arrêtez, arrêtez, ou alors je ferme la fondation, je me retire, je publie, je ferme la fondation. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que c'est normal, tu penses, Laurent, de dire qu'un de tes représentants me dit qu'on va me ruiner, qu'on va me porter plainte contre moi pour tentative de chantage, parce que je veux simplement récupérer l'argent que j'ai donné à ta fondation pour un but bien précis et que ta fondation refuse de faire. Alors, oui, tu sais bien qu'au-dessus de mon respect pour les malades, au-dessus de leur survie, il n'y a rien. Comme je le dis chaque fois, moi, pour moi, je sais quoi faire. La preuve, je vis et je suis là. Patrick, tu le mets dans l'embarras, dans un embarras énorme, parce qu'il n'ose pas te contrer. C'est toi le médecin, c'est toi qui dois dire ce qui est ou ce qui n'est pas. Mais ne laisse pas, s'il te plaît, les gens dans le doute. C'est inimaginable. Excuse-moi. Tu n'as pas le droit. Tu as derrière toi une carrière de samouraï de la médecine et aujourd'hui tu t'écrases devant une fondation qui porte ton nom et qui ne te représente pas et qui est dirigée par Big Pharma et l'agroalimentaire. Mais tu t'attendais à quoi? Qu'ils aillent essayer de faire quelque chose pour aider le métabolisme, le cancer, maladie métabolique, alors que cette firme Bongrain qui a changé de nom, c'est quoi? La charcuterie sous plastique, Bordeaux Chenel, plein de marques de chocolat remplies de sucre, des laitages, donc que des aliments qu'un cancéreux ne peut pas manger. Mais tu t'attendais à quoi, Laurent? Tu t'attendais à quoi? En mettant Sanofi, tu t'attendais à quoi? Alors, si je dois me battre à ta place, eh ben je me battrai à ta place. Voilà. Mais j'espère de tout cœur que tu vas te réveiller et de toute façon, au tribunal, je te ferai citer comme témoin. Comme témoin, et je suis sûr que tu diras là ce que tu penses, parce que tu seras obligé, parce que tu vas jurer. Voilà les amis, j'espère que j'ai réparé de la manière la plus ferme. Vous voyez, ce qui nous oppose, c'est rien du tout. C'est un manque de communication. Je n'ai aucun manque de communication avec Patrick. Patrick, fais des réserves. Fait des réserves vis-à-vis de Laurent et je le comprends. Il s'occupe des malades, il est coincé entre les malades et les décisions.
de Laurent. Moi, comme on m'a exclu, tout simplement exclu, j'ai gagné ma liberté. J'ai gagné ma liberté et cette liberté, de toute façon, dans tous les cas de figure, jamais, jamais, si je dois me fâcher avec le monde entier, je me fâche facilement, vous avez vu. J'engueule l'INCA, j'engueule le gouvernement, j'engueule tous les gens qui ne font pas ce que j'estime qu'ils ont à faire pour sauver les mourants du cancer, qui, je le rappelle, sont 9 600 000 à travers le monde. La négligence de la fondation, que je dis exprès, de Laurent Schwartz, guérir du cancer, par sa non-réaction, par le fait qu'elle ne fasse rien, a engendré dans les 6 mois déjà plus de 100 000 morts. Ce n'est pas la fondation Guérir du cancer qui les a tués, mais c'est bien la fondation Guérir du cancer qui n'a même pas tenté d'en sauver un seul. Voilà les amis, alors là j'espère que j'ai été clair, j'ai de nouveau fait mon petit coup de gueule, mais je vais très bien, ça relâche et je suis sûr, Laurent, que enfin tu vas prendre tes responsabilités. Tu sais que autour de toi, Patrick et moi sommes tes amis. Dans la première vidéo que j'ai faite contre la Fondation, je l'ai dit clairement, j'ai commencé par ça. Tu es mon ami indéfectible. Mais si je dois me disputer, je me disputerai. Je me disputerai. Je te conserverai mon amitié. Mais on ne sera pas d'accord. Mais ça, c'est ta phrase, c'est pas la mienne. C'est pas parce qu'on est amis qu'on n'a pas le droit de ne pas être d'accord. Voilà les amis, sur cette bonne parole, Patrick m'a dérangé en train de manger et maintenant je vais retourner finir mon petit repas. Merci, au revoir les amis.